Ah, bonsoir, je suis Lord Poulpi. Et je galère sur XCOM 2, mais ça va un petit peu mieux. Youpi tralala. Bon, dernière mission, c'est bien passé. Très bien passé, même. Dans l'ensemble. Bon, Tatiana est blessée pour 11 jours, je crois. Tout à fait, 11 jours. Ma spécialiste niveau 2 est passée niveau 1. J'ai mon ranger qui va beaucoup mieux. Il est australien, il s'appelle Crocodile Dundee. Alors tout de suite, voilà, hein, il y a un certain niveau. Je veux dire, voilà quoi. Vous voyez? Si vous ne voyez pas, c'est pas grave. Ça fait plaisir, c'est tout. Allez! Je vais donc finir d'établir le contact là-bas. Afin d'avoir le bonus de l'Asie. Même si j'ai pas de thunes et que ça me servira pas pour le moment, ça me servira plus tard s'il y a un plus tard. Oui! Allez! On y retourne. Hein. Salut les bouseux. Alors, on plante des navets? Je sais pas qui c'est ce mec là, mais qui descend dans le vaisseau à chaque fois. Je le trouve louche. Ah, nouveau bonus, combat du futur. Parfait. Technique de l'Institut d'Iria coûte 50% de moins. Alors l'Océanie, ça donne quoi? Les simulations personnelles de combat et les améliorations d'âme peuvent être réutilisées. Ça peut être sympa aussi. De toute façon, j'irai à un moment ou à un autre. Mais pas tout de suite. Alors, l'armure araignée, un jour. Médecine de combat, hein, armure motorisée, 7 jours. Ravitaillement, 8 jours. Ah, c'est chaud. C'est chaud, j'ai pas une thune, les gars. Ah, j'ai pas de thune. Bon, on va aller... Ah, si je peux encore prendre un contact. Est-ce que je pourrais prendre un contact là-bas? Non. Si. Non, faut aller là-bas. Va contacter là-bas. Attends, l'Europe, il y a combien? Il y a deux l'Europe. Attends, juste calme-toi. Armée jusqu'aux dents. Emplacement d'amélioration supplémentaire pour toutes les armes principales. Ouais, c'est pas mal, sauf que ça me sert à que dalle, vu que j'en ai pas beaucoup. Allez! On va s'attaquer aux États-Unis un petit peu. 60 renseignements, ça m'a coûté. Nos capacités de communication sont à leur maximum. Ouais, merde. Si nous voulons pouvoir établir de nouveaux contacts, nous devons améliorer notre système. J'ai plus rien pour... Merde, tu con. J'ai plus rien pour embaucher un mec. 60, j'avais combien? J'avais... 71? Ouais, non, c'est pas assez. Bon, pas de regrets. Oh, tu m'as fait peur, me fais pas peur comme ça. Armure araignée, ok, on l'avait déjà, on sait ce que c'est. Ah non. Ah d'accord, tu m'as fait peur à chaque fois. Alors il a choisi attaque nocturne, d'accord. 100% les coûts de recrutement pendant un mois. Ah, tu saoules. Bon, c'est mieux que... Ah, j'avais presque fini. Pourquoi tu fais ça? Ingénieur, 103 renseignements. Ah ouais, dis donc! Archon, Goliath, CM lourde, lancier lourd, soldat. Vipère, on se l'a fait. 11 ennemis! Ah ouais, quand même. Ouais. Écoute, là, je ne sais pas comme ça. Tu me prends un petit peu au dépourvu pour tout avouer. 11 ennemis. Compteur, j'en ai tué 8 avec une facilité déconcertante. Et là, ouais, là, il y a de la lourde, il y a du lancier lourde, soldat avancé, l'officier avancé, tout est avancé quoi. C'est la teuf. Et si je l'ignore, je perds la région, c'est ça? Opération tuyau noir. Je ne sais que faire. Nous mettons le cap sur l'Indonésie. 11, c'est beaucoup 11. C'est beaucoup trop à mon avis. Je suis même sûr. Ah, j'ai pas tout le monde. Non, laisse tomber. Non, tant pis. Tant pis pour vous, les gars. Je peux rien pour vous, là. Je peux rien pour vous. J'ai même pas Tatiana, quoi. C'est la merde extrême. Avec 4 jours, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Non. Je ne peux pas. Je vais me faire déboîter, je le sais. J'ai pas assez d'équipement bien, donc je vais perdre la Nouvelle-Indonésie, tant pis. Pour l'instant, c'est pas grave. Je vais me rabattre sur les États-Unis. Tant pis pour... Ah, c'est con, j'avais augmenté l'antenne. Oh, merde. Ah, c'est comme ça. D'ailleurs, j'ai un bonus de scan de 50%, là. Grâce à ma dernière mission. Et ouais, grâce au piratage.
Sérieux? Une mission urgente dans cette région? Ah oui! Quoi? Dramatique? Oh putain. Ah mais, dramatique. Carrément, quoi. Ok. Si c'est dramatique, si... Oulala, mon dieu, au secours. Ah, tu saoules. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Attends, je suis pas prêt. Non, je suis pas prêt. Ouais! Les résistants de cette région ont dû se cacher après notre récent revers, commandant. Il me l'a sauté, quoi. Nous devons attendre qu'ils se regroupent avant de les recontacter. Va diminuer. Ok. Ça va, dramatique. Tu m'as fait peur. Ah non, non, parce que je voulais sortir pour aller embaucher un mec au marché noir. Je pensais pas que ça... qu'il me dirait, non, c'est fini. Je pensais pas que ça prendrait une journée de sortir du Talion. Pardon, pardon le jeu. Bon, je pense que ça m'a sauvé la vie, hein. Parce que tout en mode armure lourde, machin, mon cul sur la commode, ça aurait été compliqué, forcément. Ah, États-Unis, éolienne, voilà. Soldats qui passent sous les réacteurs pour pas chaud, ces Américains, quoi. J'espère que Snake Plissken est quelque part par là. Ouais. C'est un petit peu les mêmes cinématiques, hein. Enfin les éléments. Si, si j'ai vu. On l'a vu. Hein. On l'a tous vu, on les reconnaît maintenant, les pouilleux. Ouais, c'est vrai. Nouveau-Mexique. Est-ce que je peux... Oh là, ça communique, je couvre le monde entier. Est-ce que... États-Unis, ils filent quoi comme bonus? Énergie Talion plus 5. Nul! Pardon, mais nul. Nul à nul. Je peux encore faire un contact. Bah oui, du coup, j'ai perdu le truc là-bas. Et ben moi, je vais reprendre la Nouvelle-Indonésie. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis un mec qui s'acharne. J'y retourne, rien à foutre. Commandant, nos capacités de communication sont à leur maximum. Ouais. Si nous voulons pouvoir établir de nouveaux contacts, bah, nous devons améliorer notre système. Je fais ce que je veux. Pour l'instant, tu fais ce qu'on a et tu te tais. Qui, patron? C'est moi, le patron. Ah, médecine de combat. Cool. Nouveau projet. Non, j'en ai, hein. Carrément que j'en ai. Alors, ça fait quoi? Le nano medic kit améliore de façon considérable les capacités de soins de notre medic kit standard, ce qui permet à un soldat blessé de récupérer plus de PV. Alors, on s'en serait douté en même temps. Mais bon, sur... Oh, ravitaillement, c'est bon, ça. Tu vas me sauver la vie, le ravitaillement. Hein, que tu vas me sauver la vie. Pour vous, commandant. 322. Ah, c'est tout? Vous avez fait du chemin depuis un mois dans votre lutte contre les extraterrestres. Alors, commandant. Je vais me faire engueuler. Mais il faut encore nous améliorer si nous voulons... Communication coupée. Ah, désolé, j'ai pas entendu la fin. Alors, les extraterrestres dans l'embuscade, on connaît. On renforce leur cryptage, c'est ch... Allez, cours, renseignement de sang pendant un mois. Et ça, de toute façon, j'ai pas assez pour découvrir ce que c'est. Donc, voilà. Ah, j'ai quand même pu finir. Et je suis de retour en Nouvelle-Indonésie. Eh, hey, salut les gars. M'avait manqué pendant 3 jours. Incroyable. Ah, on se régale avec ces petites cinématiques là, qui mettent bien l'ambiance. Si, on se régale. 5 sur 5. Alors, est-ce que j'ai perdu mon antenne? Nouveau contact régional. Nouveau contact. Oh, 322 ressources, oui, tout à fait. Je vais y aller. Calme-toi. Il n'y a pas d'antenne ici. Ils l'ont cassée? Ah, si, elle est là. Ah, faut la refaire. Ah, oh, merde. Eh ben, tu m'envoies m'a dégoûté. Calcul du nouveau cap du Talion. Allez, il me faut de la thune, me fais pas chier avec tes missions. Tu seras bien aimable. Est-ce que tu vas être aimable? Est-ce que tu es quelqu'un de bien? Armure motorisée là. Oh, c'est bon ça. Je suis certain que le résultat ça va tout changer. Ouais. Moi, commandant. Nouvel objet disponible, armure gardien. Oh, rien que ce nom, ça me passe partout. Nouveau projet disponible au terrain d'essai, armure spectre, armure war. Armure gardien. Notre nouvelle maîtrise de la technologie extraterrestre à base d'Ellerium nous a permis de mettre au point l'armure de combat ultime. L'armure gardien. Alimentée à l'Ellerium, elle offre une protection sans précédent pour la survie et s'avère très polyvalente sur le champ de bataille contre les extraterrestres les plus puissants. T'as vu un peu? Armure war. En exploitant la puissance de l'Ellerium, il serait possible de mettre au point une nouvelle armure lourde motorisée capable de générer un champ de force défensif proche de ceux utilisés sur le vaisseau extraterrestre. Arrête. Après avoir vu les extraterrestres manipuler les champs psioniques de diverses manières, nous pensons qu'il est possible de franchir les limites physiques de notre monde en développant un champ psionique intégré dans une armure légère spécialement conçue à cet effet. Mais arrête! Mais sérieusement, calme-toi! Ça me passe partout ce que tu dis là.
Cette technologie devrait nous donner accès à de nombreuses applications extrêmement utiles. Ah non, c'est pas là. Je vous enverrai un rapport dès que nos recherches seront terminées. Ah, commandant. Par toi. On va voir pour l'autre. Ça met combien de temps leurs armures magiques là? Alors, armure spectre, c'est pas pour les pouvoirs psioniques ça? Franchir les limites d'un championique intégré. Bah, a priori, si je peux le faire, c'est que je peux le faire. On va commencer par la grosse. Ah, j'aime bien les grosses. Parfait, commandant. Je vous préviens dès que le projet sera prêt à être déployé. Ah, je peux pas faire l'autre. Ah, t'es déçu, il me manque 10 élèves extraterrestres, 5 cristaux d'Alérium. D'accord. Ah bah ça, à force de tout claquer, hein. Fallait bien que t'en aies plus à un moment. Fais pas le surpris. Munitions expérimentales. Un noyau d'Alérium, 50 ressources. Non. Un noyau d'Alérium. Ouais. Écoute, j'ai envie de te dire munitions. Et c'est tout. Ouais, c'est comme ça. Parce que j'ai envie. Je n'ai pas à me justifier, je fais ce que je veux. Voilà, allez, c'est bon ça. Ouais, retourne au QG, c'est ça. Ouais, on connaît. On connaît bien, on les connaît tes feintes. Ah bah, à l'extraterrestre, parfait, j'en ai plus. Du nouveau câble du Talion. On va les ramasser, enfin on va essayer, on va se faire interrompre. Moi aussi. Hein, tu veux nous interrompre, pourriture. Même pas. Ressources stratégiques localisées. 39 et 27, c'est bon ça. Tiens, on va faire ça. De toute façon, là, faut que je fasse un maximum de trucs. Là, j'ai un mois où faut que je scanne comme un porc. Je sais pas si ça marche pour ça, par contre, sûrement. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le projet Avatar. Bah, je t'avais oublié, dis donc. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Une seule, hein, pas deux. Une. Extraterrestre avance inexorablement. T'inquiète pas, ça va aller. Nous devons les arrêter. Je te dis que ça va aller. Je te dis que ça va aller. Protocole écran bleu. Ah, je crois que je l'avais annulé. Attends, écoute, tant mieux, moi j'ai ça. Alors, grenades IEM sont sans pitié pour les délicats systèmes électroniques des ennemis robotisés et mécaniques. Elles leur infligent de lourds dégâts et je perds ma voix. Et ont de grandes chances de les neutraliser pendant un court laps de temps. Les ennemis organiques sont quant à eux parfaitement insensibles. C'est un peu de la merde. Munitions écran bleu. Ah d'accord, j'ai la totale. Baptisé du nom d'un phénomène informatique inexplicable et assez fréquent avant la guerre, les munitions écran bleu sèment le chaos dans les systèmes électroniques visés. Tu. Je vous reçois 5 sur 5. Allez, c'est tout bénef. Wesh. Bon, ça m'emporte combien? Ça pue 72. Bon, bah, je suis assez tranquille là. C'est louche. Je ne vous le cache pas. Je trouve ça extrêmement louche. Est-ce que je vais renforcer ça? Gain de renseignement. Il me faudrait tant, j'ai 61 renseignements. Je sais pas d'où ils viennent, mais c'est bien. Écoute, on va faire ça. Ouais, on va profiter qu'on a un bonus de scan. Nous mettons le cap sur l'Asie de l'Ouest. Tant que ça dure. D'ailleurs, il me l'indique pas d'ailleurs que j'ai un bonus de scan. Oh, je suis certain que le résultat vous intriguera. Les lances plasmiques, les fusils de sniper plasmiques. La technologie extraterrestre de focalisation des rayons a des applications évidentes pour améliorer les fusils de précision. La lance plasmique est un fusil de précision sans égal. T'entends? Sans égal. Attitude optionnée. Bon, là, c'est bien, là, je suis. Cette technologie devrait nous donner accès à de nombreuses applications extrêmement. Attends, ils sont où? Allez, où m'as-tu, là? Un rapport dès que nos recherches seront terminées. Ah, bah, si. Ah merde, ah, ouais, c'est quand je chauffe les antennes. Ça coûte de l'argent. Et oui, ça coûte de l'argent. Et t'es déçu, du coup. Parce que t'as fait de la merde. T'as fait de la grosse merde. Pour changer. Alors. Fusil cyclone, fusil à pompe. Ok, nanana. Oh, ça coûte tellement cher. Oh là là. Ça coûte tellement cher. Pourquoi ça coûte si cher que ça? Lance plasmique. Pas planque. Lance plasmique. 300. Et en plus, je me suis pas fait dessus. J'ai croisé Taïgan qui marmonnait tout seul dans les couloirs. Tu ne nous intéresses pas. T'as pas encore compris? Je vous reçois 5 sur 5. Eh ben c'est bien. Allez, on va au marché noir, on va vendre de la merdasse, en espérant qu'on en ait. Et hop là, j'ai fait une petite coupure. Tout simplement parce que j'ai fait des trucs extrêmement chiants, et j'ai aussi fait des conneries que je vais vous relater immédiatement. Donc j'ai vendu quelques petites choses au marché noir pour avoir un peu d'argent, parce que j'ai augmenté donc plusieurs antennes. Ce qui coûtait de l'argent aussi. Et oui, c'est pas gratuit, hein, pour poser le grille-pain, pour que ça capte mieux, faut débourser des ressources.
Donc là j'ai dit, ah merde, j'ai plus d'argent pour faire les lances plasmiques. Donc j'étais triste. Donc sur la marche noire, j'ai vendu quelques cadavres. J'ai pu faire mes lances plasmiques. Et là, j'ai réalisé que je n'avais pas fait les armures gardiens que je viens de finir la recherche. Voilà. Donc, je n'ai pas d'armure, mais j'ai des fusils de précision plasmiques. Pas de commentaire. Non, pas de commentaire. Vraiment, tout va bien. Nous mettons le cap sur l'Inde. Ça va bien, c'est pas grave. C'est les aléas du direct, hein. Et puis, c'est bien. J'ai quand même deux personnes. Eh bien que ça arrive, hein, depuis le temps que tout ce que j'ai pu me promener, là. Alors, difficile, opération cachée. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas cher. Ouh, 210 ressources. Ça, c'est quoi? Très difficile. Très difficile, bah tu m'oublies, hein. Extraterrestre, augmente tous les coûts en renseignement de son. C'est pas grave, fais-toi plaisir. Ça, j'ai déjà vu. Et le dernier, c'est quoi? Infiltration extraterrestre. Oui, cache des anonymes extraterrestres à chaque mission. Donc des gros tas de bouse. 115 renseignements. Et bah tu sais quoi, je vais faire le truc mystère. Avec un peu de chance, ce sera... j'ai des ressources déjà, c'est cool. Et avec un peu de chance, ça empêchera le projet Avatar d'avancer. Donc voilà. Hein? Ouais. Carrément. Forte chance même. Allez. Et puis j'ai embauché un mec. Que d'ailleurs je vais emmener avec moi. Donc nous avons un petit nouveau, en chair à canon précédente de luxe, l'Aura, donc l'Aura des laboratories, qui fait un peu la gueule. Mais pour le moment, quand elle sera majeure, elle fera moins la gueule. Nous avons le majeur Crocodile Dundee. Voilà quoi. Le mec a un chapeau, le mec, on le respecte. Si, faut quand même respectons les chapeaux. Bon alors, capitaine, lieutenant, major, deuxième classe. Est-ce qu'on peut prendre un troufion là-dedans? Bien sûr qu'on peut. Bon, Tatiana, tu vas... Ah bah non, j'ai mes fusils plasmiques, faut que je les essaye. Ah bah ouais, attends. Est-ce que je vire... Sarah Connor? Écoute, je vais te virer, cocotte. Je vais te virer... Alors lui, il peut prendre trois grenades maintenant, c'est ça le trip? Une grenade max par soldat, une grenade max par soldat. D'accord. Eh bah, t'énerve pas, ce que tu dis. Pas de contrarié, hein. Allez, hop, tu te casses. Et on va prendre une chair à canon américaine. Un homme, un mâle américain. Hein? Qui ça va être, s'il survit? Je vous le dis pas, c'est une surprise. Non, je vous le dis pas. On l'attend depuis un moment. Enfin, moi surtout. Il va revenir. Je sens que c'est lui. Je ne sais pas pourquoi. Il se cache, c'est pour me faire une surprise. J'ai plus de medikit, sérieusement? Et bah j'en fais un, ça coûte 35. Oui. D'accord, il n'y a plus le medikit classique, il n'y a que le nano medikit. 50 ressources. Eh ben, 50 ressources quoi les mecs. Les mecs sont fous quoi. Les mecs sont hystériques. Bon bah j'ai pas de medikit, bah super. Fais tout pour que je galère toi. Hein. Déjà je me fais galérer tout seul. Ah là là. C'est pas grave. Escouade parée au déploiement. Après cette mission, on a les amures gardiens. Et alors là, on va recommencer à se promener, là, je pense. Ouais. Il me manque quelques armes plasmiques, mais ça va. L'Advent contenant des fichiers sur leurs dernières opérations a été dérobé par la résistance locale. Malheureusement, les extraterrestres ont rapidement repris le site en abattant tout le monde à vue. Nous avons là une chance inespérée de mettre fin à leur projet. Neutraliser toutes les forces hostiles du secteur. Sécuriser le site. Et récupérer les données. Ça roule ma poule. Bon, j'ai viré Tatiana. Je vais peut-être le regretter. Je sais pas. C'est quand même une mission difficile. Hein. Ouais. Je crois me rappeler qu'il y avait 9,5. Ouais, 9,5 en même temps, c'est pas la mort. Enfin, tout dépend. Tout dépend s'il nous tue. Sur pareil. Ok, super. Un centre commercial. J'adore. On commence dans un cimetière. De données d'Advent en visuel. Donc ça l'ambiance. Attention, la cible est protégée par des charges explosives. Ça va aller. Désarmez-les et prenez le colis avant que son contenu ne soit détruit. Bien sûr qu'on va faire ça. Tu nous prends pour qui? Tu nous prends pour des noobs? Bon, 8 tours. Une bombe à désamorcer. Un machin à récupérer. Pour tout. Fastoche. Extrêmement facile. Affirmatif.
Tu as une voix. Tu as une voix bizarre, toi. Tu parles français en plus. Tu as une voix d'enfant. Ok. Pourquoi pas. Il y a une tente. Non, c'est un canapé. Oh, il y a un canapé. Moi, ouais, ça marche aussi. J'aime bien ce petit décor urbain. Sous un ciel printanier automnal. Ah, les traîtres. Ça, j'hallucine que les civils, quand ils nous voient. Essayez quoi ? Ça fait qu'on est repéré par les aliens. Je comprends pas. Tous des balances, quoi. Des grosses balances. Ah ! Bonjour, messieurs. Oula ! Oula ! Ils font un tour d'autobus, eux. La pression, quoi. Mais barrez-vous ! Vous vous rendez pas compte ? Genre, c'est vos potes, c'est ça ? Moi, je serais pas rassuré. Hein. Il y a ça qui s'avance. Je m'écarte, quoi. Je fais non, non, vas-y, passe. Passe, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Comment ça ? T'es trop loin maintenant ? Oh, tu chies. Bon, tant pis. Ça marchera quand même. Bien sûr que ça marchera. Qui peut bouger là, Mister T ? Tu peux carrément bouger. Tu viens là. Hop. On va les déglinguer direct. Il ne va pas y avoir de. Oui, mais non, non. Je les déglingue direct. On reste là. C'est un peu un couvert de merde, mais on reste là quand même. Alors, Crocodile Dundee. Tu es bien. Et toi, tu vas aller là, écoute. Hein. Oui, c'est ça. Tu vas servir à rien, mais bon. On sait jamais. Ouais, sûrement entendu, s'il y en a qui avancent beaucoup, pourquoi pas. Alors, est-ce que ça one shot ça maintenant ? Ah, ça one shot avec le. Hein, avec le. La lance plasmique. Et ça ? Ça c'est. Ah ouais, 3 points d'armure, d'accord. 3 points d'armure de bordel. On va tuer, on va le tuer. On va essayer en tout cas de tuer lui là. Qui fait coucou là, non, pas du canapé. Du camping-car. Merci. C'est très bien, ils sont plus que deux déjà. C'est déjà le début de la fin pour eux. Pétrifié par la peur. J'aurais préféré que ce soit l'autre qui bouge, mais bon. Oh là 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 là. Violence ! C'est cher à canon, ça. Ouais, c'est bien lui. Je crois que c'est Snake. Snake est de retour parmi nous. Oh, si, si, si. Je sais qu'il était pas mort. Il a survécu à l'explosion de la base. Ah, mais tu connais une sale ambiance, toi. Il a le droit de faire ça ? Snake, tu vas où ? C'est pas Snake, ça. Snake qui parle pas français avec une voix d'enfant. Ou alors c'est un imitateur. Il joue peut-être la comédie après, hein. Il aime bien faire des surprises, c'est possible, je sais pas. On verra. L'avenir nous le dira. Mais slalom, ça va plus vite, non? Allez, toi, on va te déglinguer. C'est comme je te le dis. Ah, ça t'a piqué, hein. Il en a rien à foutre, quoi. Il en a rien à foutre, c'est incroyable. Sans pression le bordel. Est-ce que je peux lui mettre un... Allez, c'est gratuit, ça fait plaisir. Tiens, mange. Tu l'as bien attrapé. Tu l'as bien attrapé, mais attends, j'ai pas... T'as combien de... T'as beaucoup de points de vie encore. Hein. Est-ce que Mister T peut s'avancer? Ça serait fort imprudent, mais en même temps, il est mort. Donc... Je veux dire, le bordel est mort. Moi aussi, il est mort. Attends, t'as eu des points de vie qui lui restent? Ah, c'était pas prévu, ça. Ok, retraite. On voit dans le reflet et tout. Non, ça craint. Oh putain, il y a deux serpents. Ça craint aussi parce que... Ouais, alors le coup de langue. T'es bien placé, Mister T, dis-moi. Bon, allez, finis-le. Enfin, essaye. Ton point d'armure, c'est pas gagné. Voilà, c'était pas gagné. Mais on va dire que t'as failli t'arriver, y arriver. Ah, 4 points de vie, c'est naze. Quelqu'un peut faire quelque chose? Tu peux pas le finir à coup de sabre? Ça me ferait tellement plaisir. Allez, fais-moi plaisir, vends-moi du rêve. Je suis des crocodiles à main nue, au bout d'un moment. Voilà, c'est pas un pauvre robot qui va te faire peur. Hein. Bon, ça c'est bien fait. Ah, ça fait du bien pour le moral. Bon, maintenant on va souffrir. On va souffrir dans tout pas longtemps. Je vais tuer un serpent. Parce que j'aime pas ça, ils sont pénibles. Allez. Ok, je le tuerai plus tard. Oh, le civil, c'est le civil, il m'a fait louper, j'ai eu peur de le tuer. Salopard. Salopard de civil.
m'énerve. Affermativo, mi muovo. Affermativo. Est-ce que tu peux tirer sur quelqu'un, toi? Ah, encore le serpent. Allez, Laura. Allez, allez. Non. Bon, c'est pas grave. T'as pété la vitre. On a une meilleure visibilité, c'est bien. Travail d'équipe. Ah, barrez-vous. Barre-toi, toi. Sérieux. Regardez, mais regardez, mais barrez-vous. Vous avez pas vu la... C'est quoi ça? Oh non. Oh là là, chiant. Ah, c'est très stylé, mais c'est chiant, quoi. Attrape-en un pour le sortir de là. Voilà. Oh, t'as attrapé le mauvais. Ah, je veux dire, tu n'as rien du crocodile, toi. Tu vas prendre chez nous. This is bad de quoi? Et là, écoutez bien, le canard. Le canard. Menace voilà. A5, ici le Talion. Les deux mecs. La confirmation que le colis est bien là. Il est en train de se faire éclater à la lumière des phares du camion en plus. Hein. C'est beau quelque part. Ah non, c'est pas le camion. Juste le camion. Tu vois? Ouais, c'est le camion. C'est le camion carrément. C'est poétique. Et l'autre. On a repéré la cible. Ta gueule. Il va se prendre une balle lui avant la fin de la partie, je pense. Ouais, rien à foutre, hein, je vais te dire. Tu loupes. Voilà. Le serpent, ça s'est pas tiré, c'est bien connu. Ils ont pas de bras, de toute façon, ils peuvent pas. Alors, toi, tu vas lâcher Crocodile Dundee, qui va nous faire un petit carnage après. Voilà. Ah bah, t'es mort. Ah non, je me disais aussi. Bon, est-ce que t'es bien, toi? T'es bien, toi? T'es hors de la zone, là? Carrément, t'es hors de la zone. Tiens, allez, fais-lui du mal. Fais-lui du mal comme il faut. Tue-moi ça. Tu me déçois tellement. Bah oui. Mais tu me déçois tellement. Ah, regarde, il vise en l'air. Il vise en l'air, le mec. Cache-toi là. Et arrête de viser en l'air. Quoique... Je vais essayer de tuer lui, tiens. Voilà. Ah, putain, ils ont 8 points de vie. Ah, ils ont 8 points de vie. Ah, ils me saoulent. Ah, vous êtes saoulants, les gars. Ah, super. Chair à canon. Non, attends. Pas chair à canon. Essaye-lui, plutôt. Essaye-lui, il y a 4% de moins. Ok. Ça n'a pas marché. J'aime pas ça du tout. Chut. Ta voix m'horripile. Tais-toi. Disparaît. Ya! J'ai dit ya! Allez! C'est beau ça! C'est magnifique! Bon, toi, faut que tu cours, hein. Je te le cache pas, tu es un petit peu en difficulté. Tu vas te mettre là. Et tu vas shooter le serpent, je pense. Tu devrais tout derrière là. Ah non, tu ne le vois pas. Eh ben écoute, tu shootes l'archon et tu lui fais mal, s'il te plaît. Ah oh, putain, c'est dingue. Il triche, lui. La mira. Il est trop haut. Ouh, t'es dans le caca. Je crois qu'il t'a vu. Je crois qu'il t'a vu. Il va te faire des choses. Ouais, il t'a vu. Esquive, 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 esquive. Il loupe, il loupe, il loupe. Ok, il a pas loupé, mais il a pas fait trop mal, ça va. Toi, tu déconnes pas. Laisse. Ah, oh, mais ils sont incroyables, hein. Mais t'as que ça à foutre. Ils sont débiles. Bon, heureusement qu'ils sont débiles. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est lui. Je crois qu'il y avait des robots qui arrivaient encore. Bon. On va assurer le coup, on va se rapprocher. Dégage. Disparaît. Quand même. Hein. Et elle a même pas touché son collègue. Ça, c'est fort. Bah, c'est mérité une promotion, je suis bien d'accord. J'allais le dire, dis donc. On peut pas lui tirer dessus, là. Pourquoi? Une explication logique à me donner? Non? Ok, bah tu joueras en dernière, ça t'apprendra à faire de la merde. Hey Mister T. Donne tout. Comment ça il a couvert? Oh ça va, il est sur un sac. Pff, bon, allez, c'est bon, j'ai compris. Je triche.
Voilà, on va t'arroser le fion. C'est un synthétique, ça, hein. Ouais, je pense. Falloir. Ah, je crois qu'il rejouait. Ça va pas de me faire peur comme ça. Bon, cher à canon, mon petit cher à canon. Est-ce que tu peux... Bon, son, hein, je vais te dire, là, les couverts, rien à foutre. Lui, de toute façon, il tire pas, apparemment. Mais des coups de lance. Donc, je pense qu'on peut tout... hein, on peut se promener. Voilà, c'est bien. Chut, ça va aller. Je vais être à sec. Qui c'est qui peut jouer encore quand il donne 10... Ah, mais toi, tu peux jouer. Ah, même là, il a couvert, le mec. Eh, venge-toi. Tu te venges, hein, s'il te plaît. Tu déconnes pas. Pas le louper, là. Tu l'as loupé. Bravo. Niente. Comment t'as fait? C'est un mystère. Tu es un mystère pour la science. Est-ce que je peux lui mettre un coup de sabre? Il m'énerve tellement. Oh. Allez, Crocodile Dundee. Le héros arrive. Planquez-vous, planque-toi, Laura. Allez, t'as esquivé, mais t'es mort quand même. T'es une grosse merde. Il est pas étourdi, là, il est mort. Hein. Je sais pas, ça manquait un peu de panache tout ça. La musique continue en plus. Hein. Ouais, je trouve ça suspect. Bon, il reste 4 tours. Enfin, il va rester 3 tours, du coup. Pour... ils ont peur de moi, genre. Ils n'ont pas peur des serpents, mais... Écoute. Nous sommes des terroristes, c'est vrai. Bah oui. C'est pour ça qu'on vous tire menace pas dessus. Menace 1-5, le temps joue contre nous. Ce détonateur ne va pas vous attendre. Dépêchez-vous de le désarmer avant qu'il ne soit trop tard. Chut, je te promets, tais-toi. Tais-toi, tu me gaves. C'est tendu, là, tu te rends pas compte. Il y a encore des ennemis. Il reste 3 tours pour tout faire. Oh yeah. Tu crois que... Hein no problem, boss. Tu crois que c'est facile? Il va rester quoi d'ailleurs? J'ai un peu peur de ce qu'il va... De ce qu'il va nous sortir. T'aurais peut-être pas dû aller là, si? Si, c'est bon, t'as de la chance. Ils sont trop marrants, les mecs. Oh, je vais sur le toit. Bah reste-y sur le toit. Alors, on va recharger, on n'a pas le choix. Ok, 3 tours pour atteindre le bordel. Il est pas loin. Il est pas loin, mais il est pas prêt non plus. Hein. Non. On va tous se rapprocher. Parce que on va se manger de l'alien sur la tronche. Ça, c'est obligatoire, c'est la vie. Hein. Tiens, essaye de voir dans le magasin un peu mieux là. Est-ce qu'il y a quelque chose? Toujours rien. Ça me la coupe un petit peu. Ça me la coupe grave même. Ok, bon, c'est très bien, écoute. Je dis très bien. Je dis c'est cool. T'as pas beaucoup de points de vie, toi. Hein. Non, t'en as 4. Je te propose de rester là. Bien à l'abri. Derrière ce superbe camion du futur. Alors, est-ce qu'il bouge? Il bouge pas. Ok, bon, bah écoute, Sarah, je te propose... Ouais, t'y vas. En mode rien à foutre. Parce que t'en as rien à foutre. T'es un petit peu une rebelle. Et bien sûr, y'a rien. Y'a pas, c'est bien. Moi, je dis bravo. Bravo, les comédiens. Je vais mettre en vigilance, là. Je pense que j'ai un bon angle d'ouverture, n'est-ce pas? Une bonne vision à l'est, à l'ouest, au sud. Bon, pas... Si, au nord aussi, y'a des fenêtres. C'est bien. Allez, tout le monde rentre. On investit allez, supermarché. Allez, allez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais ils sont où, les aliens? Et ils sont... Ah, la musique s'est énervée. Ah, cher à canon, t'as fait une connerie. Oh putain, il y en a encore un. Il les a réveillés. Ça, c'est les débutants, là. Ils font tout le temps de la merde. J'ai remarqué, hein. Ah là là, mais ça met un peu de piquant, c'est bien. Tiens, dégage. Oh, tu t'es pris un critique à 10. Ah, il est pas content. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, t'as plus de dents. Bon, par contre, il n'y a plus que toi qui joue. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Non. On va se prendre des trucs sur le fion de tout à l'heure. Ah, attends, tu peux pirater quoi, toi? Oh! Eh bah alors, il n'y a même pas besoin de se déplacer. C'est cool. Avec peut-être un bonus disponible. Sympathique. Les revenus de la région actuelle augmentent de 25. C'est pas fou. Statistique de soldats augmente de façon permanente de 20%. Ça, il me le faut. 18%, ça se tente. Tout ça, 25, c'est bon, quoi. Ça va. Allez! Allez, t'es une championne! T'es une championne! T'es une championne! Tu pues! Dommage! Ça aurait été bien. Ça sera pour une autre fois. Tutto farto. Tutto farto.
Allez, à vous les nazes. Faites-nous voir que vous êtes capables. Ne tuez pas, hein. 5, statut confirmé. Les charges sont désarmées et le colis est en sécurité. Eh, c'est bien ou pas? Éliminez les hostiles encore présents dans la zone. Ah, je crois que... Au revoir. On t'aimait bien. Tu ne seras donc pas... Ouais, ah, il est mort comme une merde. Tu ne seras donc pas le nouveau Snake. Ce n'était pas toi. J'y croyais pourtant. Et finalement, non. Quoi? Il t'a contrôlé mentalement? Toi, là, là. Toi qui es si forte dans ta tête, hein. J'en reviens pas. C'est du sectoïde dopé, ça, non? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, avec nos propres cadavres! Ah, ça, c'est pas bien, par contre. Non. Ça, c'est pas bien ce que tu fais. Je ne l'accepte pas. Ah, tu me tires pas dessus, hein. On fait peur. Bon, on est dans la merde. Enfin, dans une merde plus ou moins voilà, c'est pas la grosse merde, pas loin. Faudrait que je tue lui, mais en même temps c'est Barracuda, donc si, il va y arriver, parce que des fois il arrive, voilà. Bon, pas aujourd'hui, mais des fois il arrive. Elle fait peur. Faut absolument qu'on tue ce sectoïde de mort. Ok les gars, ok, c'est une mission pour toi ça, hein. Je te sens chaud, hein, que t'es tout chaud. Non. Non plus. Non plus. Ok. Je m'approchais. Et de là, est-ce que je peux lui tirer dessus? 67. Carrément que je peux. Je pourrais tuer lui aussi, hein. Ah, je vais peut-être le tuer. Lui. Ils font mal, eux. Qu'est-ce que tu fais? Déception est à son comble. Mais c'est pas fini. Quoique c'est presque fini en fait. Ouais, il reste plus que les gonzesses. Ok, super. Super génial. Est-ce que tu peux trouver un... Pff, y a pas d'endroit sympa, hein. Que des endroits... Si tu vas là, tiens, si tu vas là. Y a moyen peut-être, non? Y a moyen que ce soit mieux, non? Non. 50%, c'est pas terrible. Allez, allez. Si on peut libérer... Voilà, si on peut libérer Sarah, peut-être que elle pourra jouer, je sais pas. Elle a pas de munitions. Ah non, c'est Laura. Laura n'a pas de munitions. Écoute, avance, hein. Si je te dis, à un moment, faut y aller. Alors, un tir gratuit. Est-ce que... Ouais, il y a peut-être moyen de le tuer, lui. On va voir. Avec deux tirs, il y a moyen, je pense. Il restera plus que le vieux zombie, là, qui fait tout pas peur. Non, je fais pas peur. Toi, 68%. Allez! Ah, merde. Ça craint. Si. Ça craint. Ah, elle peut jouer, c'est cool. C'est trop bien, ça. 100%, 60%, 77%. Allez, meurs. C'est bien, t'es mort. Hop. Oh, t'es mort comme une merde. Alors, par contre, tu ne me tues pas Crocodile Dundee, toi. Il y a du loot. Aïe. Attention. Oh, il va recommencer. Ah, il a résisté. Elle a résisté, pardon. Non. Attention. Oh la vache. Ouh, que c'était chaud. C'était trop chaud. Je ramasse ça tout de suite. Mais j'ai peur qu'il me le donne pas si je le ramasse pas. Ah, il me rend parano le jeu. Il y a une fois, je crois qu'il m'a rien donné. Je trouvais ça louche. Oh, il va se prendre un coup de sabre, le sectoïde. Si, tu mérites. Il mérite un coup de sabre. On est d'accord? Carrément qu'on est d'accord. C'est quoi ça? On devrait fermer la porte. Rien à foutre. Comme je te dis. 100%. Je te tranche. Allez, viens. Allez, 9 points de dégâts. J'ai pété le mur avec. Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire, t'es mort. Toi, tu disparais. Et voilà. Bah, bien sûr. J'ai quand même perdu une recrue.
Ça me gave. J'arrive pas à gonfler mes rangs. Pourtant, il faut que j'y arrive. Menace 1-5, statut confirmé. Tous les ennemis sont morts, la zone est sécurisée. Yeah. Parfait. Niveau bien, c'est bien. Menace. Menace rien du tout, ouais, c'est bien, tais-toi. Ah. Parfait. Il y aura de la promo, j'espère. Mais il y en a de toute façon. Il y a la Aura qui est promotionnée. Je crois qu'il y a Sarah Connor aussi. Qui va passer capitaine. Alors, du capitaine, Fiangpo, je ne sais plus. Non, je crois pas. Hein. T'as pas foutu grand chose, toi. Hein. T'as un nouveau fusil, mais. Nul. Allez. Si, si, fallait fouiller. Voilà. Atterrissage un peu brutal, dites-moi. Quoi ce pilote hein. Voilà, on est parti à 6, on revient à 5. Mais on est pas mal. Ah, de lieutenant à capitaine. Alors, salve, si votre première action consiste à lancer des grenades ou tirer avec des armes lourdes, elle ne met pas fin à votre tour de jeu. Donc tu peux tirer et avancer après. Et plus de balles, lance une pluie. Enfin, quoi que si. Ne pas faire de tour de jeu. Oui, c'est ça, je suppose. Pluie de balles. Lance une pluie de balles qui atteindront obligatoirement leur cible en échange d'une quantité de munitions. Donc un gros truc de bourrin. Qu'est-ce que je fais? Non, tu vas faire salve, toi. Ensuite, Laura. Moi, tu vas être médecin, toi. J'en ai décidé ainsi. Et... Ah bah si, la capitaine aussi, cool. Alors main sûre, c'est quoi? Si vous ne vous êtes pas déplacé au cours du dernier tour, vous obtenez visée plus 10 et chance de critique plus 10. C'est tellement bien ça. Et viser la position défensive améliore la visée de 20 pour le premier tir du prochain tour. C'est tellement pas bien ça. Allez. Eh bah voilà. Chuchu. Bon, il se frotte un peu la nuque, mais ça va. Et ben voilà! Bah si, c'est bien! Oh, puis j'ai une crosse! Les tirs manqués infligent quand même un point de dégâts à la cible! Ah. Ça peut être bien pour Mr. T, ça! Gâchette facile. 10% de chance de son... que son tir ne coûte aucun point d'action pour le tour en cours, c'est cool. Lunette avancée, la visée augmente de 10%. C'est parfait! Eh bien, je vous laisse là-dessus. Autopsie d'un archon. Alors, c'est quoi d'ailleurs? Mélange de tissu organique et de mécanisme d'une machine. Alors, est-ce que ça marche les trucs, les armes antisynthétiques? Bonjour, commandant. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? 210 ressources? Ah, mais tu me régales! Est-ce qu'on peut faire de l'armure du gardien? Ah, on peut pas. Nous manquons ça sera. Bras, commandant. Le QG de la résistance non, pourrait oui. Nous fournir des recrues. Bah, il pourrait, c'est vrai. Il pourrait donner aussi. Et c'est pour ça que. C'est pour ça que quoi? C'est pour ça que je vous dis à bientôt. Nous aurons donc l'armure à la prochaine vidéo. La fameuse armure du gardien. Et youpi tralala quoi. Et même l'armure war, j'avais pas vu, elle est là, en fabrication. Ouais, c'est cool. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Et surtout n'oubliez pas, observez bien le ciel. Parfois il s'y cache des choses que le regard ne peut pas voir, mais que l'âme peut sentir. Et c'est pour ça que... allez, c'est bon. Allez, salut ! Ouais, non, pas d'inspiration. À bientôt !